بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Tout rendu pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous voyons la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et avant que nous rentrons dans l'explication de ce hadith, inshallah, et à partir d'aujourd'hui, nous pourrons commencer nos un petit prix. Et après nos bonnes quiz, donc semaine prochaine, nos premières questions, je veux dire, les pour à partir de semaine prochaine, Inch'Allah. Basons-le sur la leçon aujourd'hui. La leçon aujourd'hui, c'est une leçon qui est très importante pour tout le monde, sans exception, du monde qui a connaissance, du monde qui peine à connaissance, alim, peu importe qui s'en a, côté Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme imbar, alors lui explique une petite chose. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam monte le minbar pour expliquer une chose qui veut dire une chose qui l'intérêt général. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parfois les cause personnellement avec un djimoun. Les conseille quelqu'un ou les conseille un groupe djimoun. Mais quand il monte le minbar pour lui dire quelque chose, ça veut dire pour montrer nous l'intérêt général qui est attaché avec ce message. Alors Omar bin Khattab radiyallahu anhu, Omar bin Khattab radiyallahu anhu, lui il rapporte sa message. Alors nous tous connaissons Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Qui est Omar bin Khattab? Sahaba, mais pas pareil, pas tout sahaba pareil. Qui était ça Omar? Le calife, deuxième calife de l'islam. Alors pareil comment Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa faddalna ba'dakum ala ba'd. Allah fin fait supériorité en l'olot, pas tout le monde qui est égal. Allah subhanahu wa ta'ala fin fait ban prophète supérieur, ban sahaba supérieur, après ban prophète vin ban sahaba, après ban awliya, après ban jimun salihin, ban shuhada, après ban salihin. Mais même parmi ban prophète aussi, hein, qui est plus supérieur que son camarade, plus supérieur que tout, c'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les sahaba aussi, plus supérieur, c'est Abu Bakr radiallahu anhu, suivi de Omar bin Khattab radiallahu anhu. Mais si vous connaissez certainement vertu de Omar bin Khattab, certainement vertu, à part qu'il y a un calife, vous connaissez une vertu qui te mérite de Omar bin Khattab radiallahu anhu. Redia? C'est le sahabi qui, par sa sagesse, par sa capacité intellectuelle, par son iman, par sa conviction, est capable de dire « Ya Rasulallah, mais mon pensée, mon opinion, bien faire ça. Personne n'est pas capable de faire ça. » Vin devant Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Plutôt nous faire comme ça, Ya Rasulallah. » C'est ce. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans plus qu'une fois fin approuve l'opinion de Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Imagine ce qadar devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouve d'une façon, lui trouve d'une autre façon, Allah subhanahu wa ta'ala donne raison. Ça c'est ce qadar. Dans l'autre vertu encore, Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Shaitan, comment trouve-t-il là-bas? Dit, ok, on passe de côté. Iman. Ça veut dire tant qu'un djimoun sur iman faut sa relation avec Allah solide, shaitan reste loin à lui.
ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim. Man ki awliya Allah, man ki alia avec Allah, man ki rapproche zut dans ribadat avec Allah, shaitan resoulouen azut. Et un de man, l'exemple c'est Omar ibn Khattab, comment shaitan trouve les casse-couilles à la rue. Et ça n'est pas exclusif à Omar ibn Khattab. Tant qu'un djimoun est rapproché dans ribadat avec Allah subhanahu wa ta'ala, tant que shaitan a une difficulté à lui. Shaitan n'a pas une facilité pour attaquer lui. Parce qu'il est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre mérite encore? Subhanallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu es un qui te prophète, tu es capable de venir après moi, c'était Omar ibn Khattab. Illa annahu la nabiyya ba'di. Sauf que, après moi, peine à prophète. Mais si, ça veut dire, qui a été iman, qui a été l'intelligence, qui a été capacité, qui Allah subhanahu wa ta'ala fin de Omar ibn Khattab, qui, comme si, les fits pouvaient être un prophète. Mais Allah pas décidé qui après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin, est un prophète. Alors, beaucoup de mérite pour les filmer une deuxième calife de l'islam. Pas choisir comme ça, ça. Mais non, tu besoin mettre un autre, pas tu besoin mettre lui. Pas comme ça, ben sahaba fin choisir. Je connais le qadar, je connais la valeur de Omar ibn Khattab pour qu'il ait une deuxième calife. Si tu as un autre sahabi qui est plus supérieur, tu n'as plus beaucoup de mérite que Omar ibn Khattab, alors ben, tu peux mettre le deuxième calife. Alors, donc, ça, c'est pour montrer nous la valeur de Omar ibn Khattab. Radiallahu an. Alors, il peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte concernant l'intention. L'intention. Alors, tu as un incident qui est arrivé. Un événement qui est arrivé. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique cet événement-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon l'enseignement, dit dans plusieurs façons. Soit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vient, lui informe, lui enseigne quelque chose qui dit vous ne pas connaissez, même jamais une pensée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enseigne nous. Concernant Allah, sifat Allah, concernant man ghaib. Dit vous n'aime pas comprendre ces affaires-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vient enseigner. Parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors lui, veut dire, il est venu suite à un incident, un problème est arrivé. Comment pour, quelle solution, est-ce qu'il finit dans le sahaba, il prend une bonne décision, ou bien quelle réaction dans le sahaba? Il est venu, il approuve sa réaction-là, ou bien il fait une explication, il guide Jimoun là, guide dans le sahaba, comment bien vivre, qui bien faire. Alors donc, c'est un événement qui est arrivé. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il veillait lui. Un vrai professeur, un vrai guide. Il n'est pas seulement, veut dire, donne l'ordre, mais il prend compte qui passait, qui dit mon peut dire, qui dit mon peut faire. Il guide zot, côté n'a réel, il corrige zot. Quand il a une parole, si parole là, bon, il veut dire, praise zot. Si il y en a qui est bon dans parole là, il praise zot, si il y en a qui est réel, il corrige zot, parfois. Parfois individuellement, mais si nécessaire pour faire en public, il faut faire en public. Alors donc, ça c'est la façon, l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est référence dans la pédagogie. Aujourd'hui, quand on fait une coquine science, parce que nous pouvons dormir, manger, boire, on a une coquine science. Là, aujourd'hui, vous pouvez adopter ça pour votre pédagogie, vous donnez un certificat pédagogie, alors qu'il Sef pédagogie, c'est Muhammad. Plus grand pédagogue, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, un événement, quand c'est arrivé, quand l'autre pour venir, pour faire hijra. Allah subhanahu wa ta'ala fin de l'autre in descend pour faire hijra, Alors, hijra, qu'était ça? Qu'était ça hijra? Hijra, qui veut dire? Quitter une place à l'autre place. Et encore signification hijra? Hijra à peu près a 4-5 significations. Le mot hijra est dérivé du verbe hajara. 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 Hajara veut dire délaissé. Alors, il y a beaucoup de règlements, beaucoup de choses qui attachent avec ce règlement hajara. Par exemple, mot délaissé un djimoun, mot délaissé un frère musulman. Auparavant, tu peux pratiquer. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la communauté li veut dire li exclut un djimoun là-dedans. Un jamaat. Longtemps dans l'île Maurice, c'est un jamaat, il y a comme tout déo en jamaat, mais tout déo de jamaat. Commence gain la tête fait mal,
كسنا بو فيها أميات كسنا بو فيها ونديه ودا جماد سبجي هجر هجر إن ديليسلي ألو دونك رسول الله صلى الله عليه وسلم تي بي أبليك سا سيتين بان صحابة تي فيني غير تي ترانسميت بان ميساج كونفيدانسيال ألو لي بروفيت صلى الله عليه وسلم تي أنكولي أوزوت تي بدي ديليزوت تي ريتي أوزوت ديبوي جماد comme punition. Mais aujourd'hui, ça, la loi-là, est impraticable. Ben, Rolama dit, nous n'avons pas le droit de casser relation à cette terre. Nous n'avons pas le droit d'isoler du monde, parce que nous faisons plus du tout que du bien. Alors, donc, une de bonnes significations, Hijra encore, comment je viens de dire, quitter un pays pour aller à un autre pays, quitter une place pour aller à une autre place. Mais, quand nous pécons Hijra en islam, linguistiquement, oui, Hijra veut dire quitter une place pour aller à une autre place. Mais islamiquement parlant, hijra veut dire quitter une place kufr pour aller vers une place islam. Mais pas seulement vous quittez pour lui, moi le rose, il appelle ça hijra. Oui, linguistiquement, oui. Mais islamiquement, quitter une place côté na kufr, kufr prévaloir, pour moi aller vers une place côté islam peut prévaloir. Ça s'appelle ça hijra. Une autre signification hijra, vous quittez une place côté na désobéissance. Pour aller vers une place côté, mais pas pour désobéir. Ça aussi appelle ça hijra. Une place côté d'un musulman, mais seulement rempli avec désobéissance. Mon père piézé que sa désobéissance. Mon quitte ça pour me sauver mon personnalité, me sauver mon la vie, pour me rester dans l'obéissance, moi dans une autre place, pour ne pas continuer d'offrir sa fréquentation. Ça aussi appelle ça hijra. Donc, quitte un pays kafir pour aller dans un pays musulman. Ça aussi appelle ça hijra. Quitter un endroit, kufr, pour aller dans l'endroit islam, ça aussi appelle ça musulman. Ça aussi appelle ça hijra. Quitte un endroit musulman qui est dans la désobéissance, pour aller rester dans l'endroit musulman qui est dans l'obéissance, ça aussi appelle ça hijra. Mais plus grand hijra qui n'existe, qui est plus grand hijra? Quitte Makkah pour aller à Madina depuis l'aude Allah. Quand l'aude Allah s'est venu, quitte Makkah pour le Madina, ça plie grand hijra. Ça veut dire hijra du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hijra prophétique, ça c'est un plus grand hijra. De nos jours, est-ce qu'il nous capable de faire hijra? Est-ce qu'un habitant Makkah, les gars droit quitte Makkah pour le Madina, il fait hijra? Si un habitant Makkah, il peut quitter Makkah pour le Madina, il peut dire non, il peut quitter Makkah pour Hijra, pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait, pas gain droit. Parce que ça, la loi là, il a aboli à ce dire. La Hijra, ba'd al-fath. Peina Hijra après la conquête de Makkah. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait Hijra depuis Makkah, Makkah est encore sous contrôle, ban kafir. Mais après la conquête de Makkah, Makkah finit l'islam. Mou pas quitte un endroit sacré. Contrôlé par un musulman, voilà le vent, l'autre endroit sacré, mais il n'a aucun sens. La hijra ba'd al-fath. Mais nous musulmans, mauriciens, nous avons le droit de faire hijra? Nous avons le droit de faire hijra quitte Maurice à l'autre place pour sauver nous d'in? Alors, divergence, ban ulama, tout ulama d'accord qu'un musulman qui peut vivre dans un pays kufr, lui recommande de faire hijra. Il y a une place côté dans l'islam. Il y a une place côté dans le musulman. Et c'est une chose qui est logique. Quand on reste dans l'endroit, côté majorité kufr, ou bien la loi kufr. Demain, ou pas à l'abri, concernant Ouloudéa, concernant famille, concernant Iman, concernant Oudin. Comment trouver dans l'aine? Comment trouver dans une place côté musulman minorité? Faut zot pour adouer l'autre apporte Allah, grâce détruire zot lieu de culte, détruire masjid, déchirer zot hijab aux autres. Mais dans un pays musulman, on peut gagner les autres formes de persécution. Mais c'est moi, dis-moi pas pour Asouiman. Dis-moi pas pour Asouiman, pas pour Asiman nos enfants. Capable qu'aucun ou batou, mais tout dans prison, tout you. Mais Ouiman en sécurité. Alors donc, définitivement, lui recommander qui. Un musulman qui peut vivre dans un pays côté à minorité musulmane, l'Irode, une place côté islam prévaloir, l'Irode, une tranquillité, l'Irode, une sécurité, l'Irode, capable de vivre sur l'islam. Mais c'est moi, je vous dis, ce qu'il y a,
Nous quand dans un pays arabe, nous disons, fais hijra. Right? Comment arrive des semaines où visa termine de prendre pour canson, j'ai tout d'avion, t'as sous la main, j'ai tout de haut. Contrairement, si moi tiens juif, si moi tiens yahoudi, je reste de Bangladesh. Right? Je dis, hey, soz, premier ministre d'Israël, mon yahoudi, qu'est-ce que tu peux faire, moi? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Si prenez un avion spécial, sorti là-bas, vient Bangladesh, prends-moi, amène-moi là-bas, avant de rentrer. Mon la case, mon travail, une finie garantie. Bon, ça, c'est dunia, ça c'est l'ironie dunia, ça. D'accord? Mais il est recommandé. Sauf que, et là, certains ulama disent obligatoire. Obligatoire qu'un musulman lui paraisse parmi ban kafir. Il besoin quitter al côté musulman majorité. Mais le problème dans nos cas, nous payons en place pour aller. Écoute, nous pour aller. Là, il y a la loi qui rentre en jeu. Dans le surat al-Nisa, quand Allah subhanahu wa ta'ala paye de nous réconfort. Nous avons une catégorie ban qui paye un choix contre nous pour galoper. Nous avons pas signé la même. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم بنجمون كان أنج de la mort pour venir prendre la vie et ça بنجمون là ils vivent dans désobéissance pan mit jilbab pan obéir à Allah pan faire ça ou bien exposé avec certainement péché ban ange pour dire mais qui n'arrive zut qui veut pas obéir alors donc je peux dire avec ange كنا مستضعفين في الأرض. Nous t'iban oppressé l'eau la terre. Ça veut dire nous t'y être persécuté l'eau la terre. Get ange qui peut dire zut. قالوا ban ange de l'amour pour dire ألم تكن أرض الله واسعة. Est-ce que la terre Allah patilose? فتهاجروا فيها. Vous êtes capable d'émigrer, faire hijra. Alors donc. Allah subhanahu wa ta'ala fait une salat wala qui nous musulmans dans nous l'esprit nous besoin connaît qui nous pas là à cause faire bon vivre ici non nous là pas une situation en dehors nous volonté nous envie à l'habit Makka dans nous lesquels nous envie reste Madina nous envie tous les jours faire salat dans Masjid al-Haram nous envie quand nous montons nous de Baqi'a à côté Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment on fait ça? Allah connaît, mais est-ce qu'il nous l'intention ça? C'est un hadith l'intention là. Est-ce qu'il y en a ça dans nous les cœurs? Qu'il y a Allah, si moi tu gagnes l'opportunité, moi je reste dans un pays sacré, dans Madina, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis Haram Sharif. Allah connaît nous l'intention. Ou bien non, nous comptons, nous donnons une comfort zone, nous pouvons pratiquer notre travail. Quand on tire les courses, nous sommes capables de danser, réveillon, nous sommes capables de faire ça. Là, pourquoi nous l'intention? Qui fait nous là? Ça veut dire, si nous là, passe par défaut, sinon, si nous avons l'opportunité, nous ne pouvons pas aller, ça, ayat là, pas applique l'eau, nous. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha eski, lati Allah patilaz pour te faire hijra, faulaika. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Saban la ma'wahumun nar. Saban la zut pour gagner l'enfer. Sauf ban qui finit envie quitter, finit envie faire hijra. Mais seulement zut pas fini na choix, zut pas fini connaître code pour aller. Ou bien zut peine le moyen pour aller. Illa al-mustad'afin. Excepté ban qui faible, zut peine le moyen. Fa'ulaika asallahu an ya'fuwa anhum. Pour ça, ben là, Allah pour pardonner. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala met un règlement, elle reste parmi tous les frères. Au plus pire des cas, tu as vu un soulard. Au plus pire des cas, tu as vu capable mal habillé, une danseuse. Mais, tu n'as pas pour mourir comme kafir. Après, tu as la mort, tu n'as enfin pas pour une kafir. Quand tu restes parmi, veut dire, ben musulman, tout au même. Alors donc, sauf si nous, comment nous dire, dans une situation que nous pouvons aller, Allah subhanahu wa ta'ala, pour pardonner nous, inshallah, bien sûr, il faudrait donner nous l'équerre. Et Allah, si c'est l'opportunité, paraître devant moi, le Makkah, Madina, moi, aller. Alors donc,
Voilà la loi Allah subhanahu wa ta'ala concernant Hijra. Ça veut dire que nous musulmans, donne-nous l'intention, nous bien connaît qui nous les qui est bien attaché avec quoi ça, l'endroit côté na ibadat, l'endroit côté na iman, l'endroit côté na islam, l'endroit côté qui nous connaît nous iman pour sécurité, nous les qui est bien là-bas, mais nous là par défaut, nous pas notre choix, d'accord. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam annonce la loi émigration, Hijra, quitte Makka pour aller, parce que Makka c'est dans contrôle ban kafir. Tu peux gagner persécution. Bilal ibn Rabah gagne batté, les cours clochés. Alou Yassir, la famille de Yassir, une famille nette assassinée. Tui madame là, tui maman là, un coup de ferraille dans ce sexe. Une pique devant public, tui sa madame là, tui son papa, trappe son enfant là, fait les guetter. Alors beaucoup, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mettre piquant dans ce chemin pour faire les djito, quand il fait namaz, prend l'intestin et tout ban veut dire quelque chose malpropre dans chameau, un chamel sur ventre, zet salo sur la tête, quand il veut faire salat. Il y a une difficulté, musulman, il y a beaucoup de difficultés dans Makka et dans le mot. Alors donc, dans sa situation-là, nous ne sommes pas capables de continuer cela-bas, mais c'est quitté. Alors donc, là, l'autre, Hijra, pour aller vers Madina, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Madina. Madina, c'est une place qui est importante dans l'équipe musulmane. Parce que c'est la ville de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais pas seulement ça, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il donne l'ode. Man istata'a an yamuta fil madinati fal yaf'al. C'est lui qui est capable de mourir dans Madina, qui l'y fait lui. Ça veut dire que nous l'équipe, c'est là-bas. Hadith Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit pour arriver à l'époque, quand Jimoun pour quitter Madina, pour quitter Madina, veut dire à cause gain matériel. Vous êtes pour quitter Madina, vous êtes pour aller au Yémen. Ça, c'est Bishara, Nubuwa, la prophétie. Aujourd'hui, Yémen, pays le plus pauvre, pays côté naziste, la guerre. La famine. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas cause mentir. Il n'est pas cause par sa passion. Wa ma yantiq wa anil hawa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas cause par sa passion. In huwa illa wahyun yuha. Simplement, c'est une révélation qui révèle l'Oli. Obligé à livrer ça. Yémen pouvait être un pays plus riche que l'Arabie. Quand ça? Dans 10 ans, dans 100 ans, Allahu alam. Mais nous avons iman dans Allah et dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Jimoun pour quitter Madina pour aller là-bas, « Wal Madina tu khayrul lahum, law kanu ya'lamoun. » Alors que Madina meilleur pour eux, si eux sont capables de connaître. Ça veut dire, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « C'est lui qui est capable de mourir. » Ça veut dire, c'est lui qui fait effort qui nous mourit dans Madina. Comment faire effort? Bien, reste là-bas. D'accord? Ou bien souvent, si on a beaucoup l'argent, elle fait barakat l'argent. Elle fait umra souvent. Peut-être d'un poté, comme on dit au mot là-bas. Alors, fal yaf'al al de Madina. Madina, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce nom d'origine, c'était quoi? Yathrib. Yathrib. Mais, nom qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donne ça, c'est la ville-là qui était. Qui m'a nom Madina? Madina a plusieurs noms. Al-Madina, oui, après. Hein? Al-Munawwara. T'allais nous pouvons dire Al-Munawwara. Important. Deuxième nom, Tayyibatu Tayyiba. Deuxième nom de Madina, Tayyibatu Tayyiba. Troisième, At-Taba. Ça, c'est mon nom de Madina. Quatrième, Madina Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, la ville du prophète, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, Al-Munawwara, Al-Madinatul Munawwara, Al-Madinatul Munawwara, ce nom-là n'est pas, ce source n'est pas depuis Hadith. Tayyibatul Tayyiba, At-Taba,
Al-Madina, Madina Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, c'est mon nom d'origine, veut dire, depuis les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, Al-Madina Al-Munawwara, c'est un nom qui finit après. Qui s'en a fait mettre ce nom-là? Ce nom-là, la ville lumière, je dis, ben kafir, ben français, ben munafik, je ne coquais ce nom-là. Je dis, la ville lumière, quand je dis la ville lumière, je dis, c'est Paris. En fait, la ville lumière, c'est un groupe de ben musulmans qui s'est attribué ça à Madina, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement ici, il dépend qui nous peut dire par la ville lumière. Madina, c'est la ville lumière, Madina tul Munawwara. Si nous pouvons dire la ville lumière, ça veut dire que Nour de Iman, la lumière de Iman, fin allumée à Madina. Pas de problème. Pas de problème. Parce que l'Iman, c'est une lumière, ça, qui éclaire l'obscurité de Kufr. Si nous pouvons dire la ville lumière, ça veut dire que l'Iman, fin GMI, fin commencé, fin éclairé, pas aucun problème. Mais, ban Soufi, je ne sais pas le nom Munawwara pour une autre raison. Vous avez bien ça. Qui fait ban Soufi quand je peux dire Al-Madina tul Munawwara, la ville lumière, qui se peut mine? Hein? Mohammed pas Nour? Je ne peux pas dire Mohammed Nour, Nourullah. Nous, Mohammed, il y a Nour divine, il y a la lumière divine. Ça veut dire, vous avez bien, ça veut dire, d'après contexte, qui nous peut dire, qui nous peut mine pas Al-Madina tul Munawwara. Si nous pouvons dire, quand nous pouvons dire Madina tul Munawwara dans la tête, c'est-à-dire sa Madina, sa la ville, que lumière de Iman, fin illumine, fin éclaire l'humanité, alhamdulillah. Mais si nous pouvons dire, là-bas, il y a un Nour, veut dire, Allah fin créé Muhammad sur le sang pour essayer de Nour. Ça, pena de Coran, ça n'a là. Pena de Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez bien, nous dit, c'est Coran. C'est avec Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons pas base l'eau en l'amour aveugle. Nous disons pas base l'eau l'émotion. Nous disons pas base l'eau fanatisme. Nous disons base l'eau Coran et hein, Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin fait Hijra final Madina. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on explique ça, le message principal dans ce hadith, c'est peut faire nous rappel concernant sincérité. Ibadat besoin seulement pour Allah. Nous besoin du monde sincère. Tout ça qui nous fait comme ibadat, salat, zakat, hajj, tout bonne action qui appelle ça l'obéissance. Nous besoin à trois petites choses dans l'esprit quand nous peut faire une action. Quand nous peut faire salat, quand nous peut donner zakat, quand nous peut garder rosa, quand nous peut lire Coran, quand nous peut faire tasbih, quand nous peut faire dua. N'importe quelle ibadat qui nous peut faire, il y a trois petites choses qui nous besoin, veut dire, mettre dans l'esprit. Nous peut faire sa ibadat là parce qu'Allah fin commande nous pour faire ça. Par l'obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons obéir à Allah. Deuxième, par l'espoir qu'il m'a gagné récompense avec Allah. Je peux obéir à Allah, parce qu'il y a l'un de moi, ça m'a obéir à lui. Pour me gagner récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour me gagner récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième, par l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais ça par l'amour, non pas par dégoût. Ce n'est pas ikhlas ça. Ikhlas c'est quoi? Quand on fait une action pour l'amour. Munafik qui fait ibadat pour dégoût. Un croyant, il ne faudrait pas qu'il, quand il peut faire une ibadat, il y en a dégoût. Pas faire lui dans sa lieu-là. Pas faire ibadat en dégoût. Un dit, bon, lève-vous là. Eh, il devait faire des rakat, t'as adjout, lève-moi là. Fais une achoir pour gainzourer en lui. Pas faire ibadat comme ça. Ibadat, pas faire au dégoût ça. Ou bien au papa peut dire, et Fajr là, tu parles du Coran. Lève un peu Coran, Ramzan. Après, c'est Hérite, tu finis, tu parles de Omi. Lève un peu Coran.
yo bolom la pou mons bo la tête là si mo pas le faire pas lire Coran là trap Coran là ya ou bin shaitan wa jimna to ina kawsar OK ça dégo ça pas ikhlas nous besoin faire ibadat avec l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala pour l'amour pour Allah mo pe obéir à lui mo pe obéir à lui parce que c'est Allah qui me donne moi ça l'autre mo pe obéir à lui parce que mo content Allah subhanahu wa ta'ala mo pe obéir à lui parce que Allah fin donne moi l'autre mo pe obéir à lui parce que là-dedans, Allah pour donne-moi cadeau. Allah pour donne-moi récompense. Et aussi, je peux obéir à lui, parce que si je ne peux pas obéir à lui, Allah pour punir moi. Ça, c'est ikhlas. Ça, c'est ikhlas. Quand on a ce sentiment-là, là, je me connais, je suis sincère. Inch'Allah, je suis sincère. Ça veut dire, n'importe quel ibadat qu'il nous veut faire, est-ce que mon sentiment veut dire actif, content, et une happiness dans moi, c'est un bon signe. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ comme un munafik débouté pour faire namaz قَامُوا كُسَالَ vous êtes levé les coups pas envie agacé lourd ça c'est munafik le croyant non Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ لِي فِي الصَّلَاةِ fin faire fraîcher de mon lisier dans salat pour gagner tranquillité يَا بِلَال أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ Ô Bilal, soulage-nous avec salat. Ça, c'est le croyant. Quand il fait Allahu Akbar, il oublie ce tracas, il oublie tout, il relaxe dans l'ibadat Allah. Il y a une tranquillité. Il oublie tout dunya, il peut reposer tout dans l'ibadat Allah. Ça, c'est ikhlas. Ça veut dire nous besoin guetter ce qui nous a ça dans nous. Alors, besoin pratiquer, besoin l'amour pour Allah, respect pour Allah. Veut dire content pour obéir à Allah et gagner paix, attention à Allah. Puis nous, comment nous faire une façon, quelle façon nous faire pour Allah, papi nous? Obéir à lui. Yad'oudana raghaban wa rahaba. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ben croyant, je t'invoque nous, je te fais nos ibadat raghaban, targhib, par l'espoir pour gagner récompense. Wa rahaban, par crainte, attention à Allah, puis nous. Ça veut dire, ça, c'est définition ikhlas, définition de sincérité. Ça veut dire l'intention est importante dans nous la vie. Ribadat plus difficile qu'en allo la terre, plus difficile qu'en djihad, c'est ikhlas. Un djimoun li capable, li plus facile pour les mots dans le chemin d'Allah qui les vins sincères avec Allah. Un djimoun plus facile pour les mots dans le chemin d'Allah qui les vins sincères. C'est pour cette raison que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit trois djimoun pour venir présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne fais une action qui dans nos lisiers extra difficile, mais je ne fais dans une action qui dans nos lisiers banale. Allah subhanahu wa ta'ala pour dire venir. Il y a deux versions. Un peut dire Alim, Sheikh un tel, Mufti un tel. On se peut crier lui. Venir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, allez, dis-moi toi-même, témoigne-le toi-même. Qui fait bien mon fait toi? Alors, allez-vous dire avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu me demandes la connaissance, mon ancien djimoun, pour faire ta plaisir. Mon ancien djimoun, pour faire ta plaisir, Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu ne mentais. Tu ne causes menti là. Parce qu'il ne peut pas casser avec Allah. Moi, en tant qu'insan, je ne peux pas casser l'intention avec vous. Mon cachet, mon agenda avec vous. Mon péria ou est-ce qu'il me content ou? Ou pas, vous connaissez où? Mon petit aller dans où? Mon petit maillot? Mon petit faire doigt pour. Est-ce qu'il est vrai ça? Allah, tu sais le connaît. Parce que le dunya, il y a un cachet du monde, quand il est allé dans où, il a besoin d'un tracas. Rasoir. Pas connaît qui a fait où? Dunya ça. Mais, et qu'Allah va faire cachet? Le dunya ou qu'il va faire cachet? Allah subhanahu wa ta'ala pour faire secret vin public yaoum tubul sarair. L'intention li secret dans les caisses. L'intention personne pas connaît accepter Allah. Personne pas connaît l'intention. Même ange qui écrit à ban action pas connaît l'intention. Les autres qui choses qui vous fait dans les caisses, ange trouvé il écrit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit idha hamma bi hasanatin tuktab lahu بجي حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام كان جيمون لي كما جاء لي ديزير pour faire une bonne intention
le désir pour faire une bonne action, il gagne l'envie pour faire une bonne action, écrire. Mais sincérité, sincérité, ikhlas, personne ne connaît, excepté Allah. Pour cette raison, quand sa grand assassin, sa grand criminel qui fait 99 crimes, et il a envie de faire taouba, il a envie de repentir, c'est un musulman. Alors il a le rôde, comment faire pour repentir? Pas connaît lui. Il a dit un cheikh, un alim, alim l'a fait moquerie à lui. Comment donne-nous l'engage? Tu te figuier, allez, allez, allez. Donne-nous l'engage comme ça. Comment dis-vous 99 crimes, tu te demandes pardon? L'offense, ça criminel là, comment dire, il mal causé, il n'a pas pardon pour toi, côté n'a pas pardon. Il tuile ici, pareil, il fait les ronds. L'emplace qui tient là, il fait les ronds sans. Mais il a envie, malgré ça, de demander pardon. Là, certains m'ont dit, il conseille, halter l'endroit. Quand il peut marcher, il peut aller de voyage, combien de kilomètres, 10, 20, 30, 100, ne pas connaît. Mais quand il peut marcher, il peut aller, ou bien quand il prend ce transport, il peut aller, il mort. Il pas même demande pardon. Alors, ben ange, il vient pour prendre ce rouh. Ben ange, il vient pour prendre ce rouh. Ça veut dire, ben ange, partout, je sais qui les autres. Je t'attends Allah sur l'autre. Malak al-Maut. Pas une seule, ça. Il y a des millions de Malak al-Maut. Pour qui, si un djibon se l'est arrivé, 10 heures pile, pas gagné droit, vint 10 heures, un dixième seconde, 10 heures pile. Il faudrait partout, il y a Malak al-Maut, plein. Parce qu'il quantité 11, il y a, Allah tout seul connaît qui quantité. Peut-être une place dans les ciels, excepté qu'il y ait un 11 peut faire 6 da, qui quantité 11 là. Peut-être une place dans les ciels, excepté qu'il y ait un ange peut faire 6 da. Ça veut dire qu'il n'est pas étonnant qu'il y en a des millions et des millions, Malak al-Maut, partout. Alors, Malak al-Maut, il vient, deux groupes, ceux différents, ceux ban qui viennent battre Dimon pour prendre la vie, ban qui mort comme vacabond. Comme kafir. Saban là, il y a un groupe qui dit leurs autres. Par contre, ceux qui vivent en tant que croyants dans l'ibadat Allah, ils ont fait le bien sur la terre, et dans l'autre groupe. Deux qualités 11. Malaikatul Rahma, Malaikatul Adab. Ban ange qui symbolise la compassion, et ban ange qui symbolise punition. Deux catégories ça. Un jour pour venir, un jour pour dire, wal malakatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ben ange qui vient avec punition, je viens, je commence à battre. Vous voyez comment? Ben la police qui doit être là. Comment venir, commence à battre, commence à craser partout. Ça, ben ange, je viens craser partout. Battre, sortir, aller, parce que vous êtes un criminel. Par contre, ange de la compassion, je viens avec bonne nouvelle, avec réconfort. Pas qu'un tracas. Petite patience. Tu veux gagner ton cadeau là. Pas qu'un tracas, il y a un cadeau pour te perdre en toi. Pas qu'un tracas, tu as famille, Allah est française. Pas qu'un tracas. Alors donc, les deux parties de ban ange, ils viennent et ils ont une discussion entre eux. Une discussion entre des groupes de anges. Ange de la compassion dit, sa rouh là appartient à nous. Parce qu'il est un croyant. C'est un bon démon. Parce qu'il a envie, il demande pardon. Et là, je dis non. Un assassin, ça, pour nous, ça. Allah, subhanahu wa ta'ala, il fait le juge. Parce qu'Allah, le juge. Il juge entre les deux parties de ban ange. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit à ban ange, mais mesure ce trajet. Le point, quand il commence, ce trajet pour aller vers la repentance, le point de départ, pour y aller gagner le pardon, avec ce destination. S'il finit couvert plus qu'il la moitié, s'il finit couvert 50.1, ça veut dire, ben ange de la compassion, je te prends ce rouh. Mais s'il finit couvert moins, alors là, ben ange, punition, je prends ce rouh. Mais qui n'arrive ça, sa missier,
Une couverture plus ou une couverture moins? Une couverture moins. Elle a dit fait l'oli. Une couverture moins. Qui arrive là? Côté bizarre. Côté bizarre. Je vais dans la. 11. Je vais dire, bon mauvais. Comment? 11 qui pignit l'aime, qui parle prendre là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par l'intention. Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par l'intention. Si un dimon il fait une bonne intention, c'est quoi l'intention? Comment dire? Ça il faut. Ya Allah, si un jour te donne moi 10 millions de roupies, ya Rab, tokun molekeya. Si tu te donne moi 10 millions de roupies, je prends 5 millions pour un masjid. Je peux garder 3 millions pour mon carré débris la vie. Les restants, je peux dépenser d'autres chemins. Si vraiment, parce qu'il y a là qu'on l'avenir, lui. Si Allah vraiment trouve ça l'intention là qui t'y capte pour mettre en, veut dire pour mettre en réalité, Allah récompense lui comme s'il y gagne 10 millions et il dépense 7 millions d'affichabilis là. Sans qu'il ne fasse rien, sans qu'il ne dépense un sou. Ça, c'est générosité depuis nos créateurs. Ça. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala citant les gentils, il récolte cette ayat-là de Coran. Pendant la guerre, veux dire la guerre, pendant le djihad, ban djimoun pauvre, mais tout djimoun peut contribuer pour ces hommes. Tout djimoun peut contribuer pour ces hommes. Abu Bakr radiallahu anhu fin balayer tout dans la case. Un roupie n'est pas quitté. Il prend ce sac, il vient toute sa richesse. Met ça devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Abu Bakr, que tu veux faire? Abu Bakr, que tu veux faire? Mais qui t'a quitté pour la case? Parce que ça qui est amené là, connaît la case vide. Abu Bakr avec une confiance, iman, yaqin, qui Allah, quand vous donnez, il donne plus. Ou pas perdu avec Allah. Ou pas plus généré qu'Allah. Ça veut dire qu'on balaye ou la case, on veut dire Allah pas capable de redonner nous, non? Il y a un yakin de l'Ali. Il dit, on quitte l'ex au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Omar dit, je dis, mon gars, Omar prend pied, Omar qui fait l'in, prend la moitié sur le récit, c'est Et c'est quoi, il pourrait ici, dépasse Abu Bakr, radiallahu anhu, Abu Bakr, il vient balayer Karoun, il vient amener. L'autre, il vient ça, l'autre, il amène ça. Et il y a un petit groupe de gens, ils ont non, ils ont misère, manger, ils ont peine. Je suis venu, je dis, Ya Rasulallah, je suis costé avec cheval, cheval de guerre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes venus. Nous ici, nous parlons de la guerre. Nous ici, nous faisons djihad. Parce que ça, c'est plus grand. Plus grand veut dire l'honneur qui est un djibon qui va gagner les mots pour Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est embarrassé. Lui-même, il peine. Lui-même, peine non. Tout ça qui est là, il finit dans tout djibon. Il y a un seul cheval, il y a un seul os, il y a un seul épée. Comment il peut faire? Embarrassé, dire. Et Allah ne récolte ça dans le Coran, sur la Tauba. Mon père, Mohamed Zazien, malheureusement, mon père, non, je ne trouve pas trop qu'il soit capable de nous autres, même une botte, même un sable, parce qu'il nous dit ça, misère. Qui va nous faire une baisse de la tête? Mais ça ne veut pas montrer Rasulullah, ça ne peut pleurer. Mais c'est lui qui trouve tout dans secret, dans public, dans noir, dans cassette, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand il trouve ben dit une misère, cette larme peut couler, Allah subhanahu wa ta'ala plus généreux qu'il s'allie. Les autres font montrer cette sincérité, sincérité qu'ils avaient. L'envie pour obéir à Allah, l'envie pour faire Allah plaisir. Solidé avec Allah subhanahu wa ta'ala, content pour gagner sa récompense. Mais je ne peux pas faire ça. Je ne retourne sur la case. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'au sentier de bataille, il gagne la révélation. La révélation descend, Allah informe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam adresse avec ce l'homme. Il dit Allah, get kot nuete. Ça veut dire nous en face de l'ennemi. Nous sommes dans nos lames. Nous ban frères dans la case. Récompense qui nous pour gagner aujourd'hui, déjà les autres comptes. Récompense qui nous pour gagner, déjà les autres comptes.
Celui qui s'y vient contre Rasulullah sans pour le mot shahid, il ne s'en finit shahadali. Il n'est l'intention. Ça veut dire l'intention énorme dans nous la vie. Mauvaise intention, ses conséquences, il dangereux. Comment ça? Alim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qui te fait moi, ça pour toi? Mentir, tu ne fais ça juste pour Jimoun, pour les Jimoun, pour Jimoun, j'ai toi alim. Jimoun, j'ai toi alim. Ton intention, ce n'était pas pour faire moi plaisir. Ton intention pour gagner juste l'honneur au dunya, au Jimoun. Jimoun, il donne-toi l'honneur. Pour dire, Qari vini, qu'on lit le Coran, qui va venir me faire l'autre? Tu ne fais, tu ne m'as la voix, Hafiz Coran, je la voix. Mon lien, Jimoun est content de crier Allahu Akbar tout. Mentir. Tu ne simplement vis que Jimoun est à Kari, Jimoun prend toi la mélamine, ne t'abriani, ne vient qui tout a fait à toi. Jimoun est donne-toi. Mais c'est pas, tu ne mentir. Jamais tu ne fais ça pour moi. Mujahid, un Mujahid, il mord dans le sentier d'Allah. Il écoute balle, il écoute sable, peu importe qui, comment il mord dans le chemin d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pour dire, mais dire qu'il faut venir me faire l'autre. Tu ne demandes la force, la bravoure. Mon lagué jusqu'à qui mon shahid. Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne mentais. Jamais tu ne mords pour moi. Tu ne mords simplement parce qu'il te tient envie dans l'histoire. Jimoun cause toi comme brave. Jimoun, il dit toi brave. Oui, Jimoun, il dit toi brave. Parce que Jimoun, pas contre l'intention. Man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. C'est lui qui la guerre pour Allah so din prévaloir, c'est ça dans le chemin Allah. Tu pas dans le chemin Allah toi. Allah dit mais tu dans l'enfer. L'enfer pas une fausse intention mais sincérité, une l'intention pure pour faire Allah plaisir, ce récompense énorme, nous pas bouge n pas. Nous pas lève n les doigts shahadan mokelo nous compte. Nous venons devant Allah nous pas connait compte nous gagne ça. Pour un dimanche, il pouvait venir devant Allah subhanahu wa ta'ala et pas connaître tout ça récompense là. Quand on regarde, toute l'intention, pureté de toute l'intention, propreté de tout l'équerre, vraiment tout sentiment, tout type de cause avec Allah. Ya Allah, c'est moi qui comme ça. Ya Allah, c'est moi qui fais ça. Si Allah trouve quelque chose vraiment sincère qui fait Allah au bout de nous, Allah de nous. Avec nous l'intention, nous capables de suivre pas un dimanche qui gagne 1000 bananes pour faire ibadat. Nous l'intention capables de suivre pas ce mais sauf qui. Faudrait nous sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, l'intention, frère en islam, est très important, est difficile. Ibadat pédifique. Et ça, dit mon shahid, l'infel dans l'intention. L'inaccepter mot, l'infel, mais c'est pas l'intention. L'infel dans l'intention. L'inaccepter, l'inmot. Ce l'icoun coupé, l'inblessé, l'inamot, l'inrécit sacrifié de sa façon-là, mais seulement l'infel dans l'intention. C'est pour ça que ban salaf, ban ulama, ban grand dimoun personnalité pieux auparavant, je peux dire, peine à n'y qui plus difficile l'onu que purification de nous l'intention. Tu veux dire, il n'y a pas une affaire simple, ça frère. Pas croire qu'il est simple, c'est lui qui peut causer, c'est lui qui peut faire ibadat, c'est lui qui peut donner zakat, parce que shaitan, ça veut dire son menu principal, ça. Il y a takou kout sa flèche, veut dire, il détruit sa l'intention. Ça veut dire, dimoun bizarre vigilant. Chaque pas qui vous fait, chaque parole qui vous dit, chaque action qui vous fait, veillez. N'a pas sous-estime, shaitan, tension de saler là ou action brillée ou pas connue. Tout le temps, renouvelez l'intention. Rappelle ou même. Et ben, ulama, fin montrez-nous, ben, dis-moi, pieux, qui tu peux faire? Qui a été zéphos de faire concernant l'intention pour un soc? Pour montrer-nous qui a été, nous besoin vigilants. Et non, même sur la case, sur madame, pas tu connais qui badat tu peux faire. Son madame pas connaît pas quand c'est ibadat lui fait. Que qui fait parce qu'il attend madame là ronfler après elle fait ibadat. Aujourd'hui nous des rakat mon fait hier connaît mon rosa aujourd'hui. Et pas cause ma comme rosa aujourd'hui. Tout aujourd'hui mon connaît mon rosa. Connaît avant mon rosa mon récit parce que quand il sommeille fait des rakat na fil. Les paraît facile c'est un homme qui ont pion tout là. Ou peut capable naïf de causer mais seulement ou peut divulguer ou l'intention peut commence veut dire une fragile, jusqu'à qui vous perdez, vous avez rien rentré, l'ostentation rentrée. Ça veut dire casser tout bon ribadat, casser tout bon bon action qui est supposé faire en secret, casser li, ou sadaqa, casser, ou bon askar, ou bon doa, casser. Ça amène plus sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pas expose ou même pas raconter qui vous fait, pas raconter tout bon sacrifice qui vous fait.
Parce que Shaitan, il attend savant l'opportunité là pour dire, pour montrer où est où terrible, ou terrible, ou spécial, non? Le calife Omar ibn Abdul Aziz, cinquième calife, veut dire après, peut-être sixième calife, après Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Hassan, après Muawiya, après Finmin, veut dire Omar ibn Abdul Aziz, veut dire l'année 99 Hijri à 101 Hijri, Omar ibn Abdul Aziz, lui, il est un grand alim, il est un calife, il est un alim, il est un mujahid. Pas comme aujourd'hui, hein? Nous, c'est là extraordinaire. Le banat, c'est alim, mujahid, wali, awliya Allah. Il réunit parlement, ministre, gouverneur, tout là, calife invini. Il commence ce discours, au milieu du discours, il est arrêté, il rentre tranquille. Mais, session pas terminée, il n'allait pas. Dis-vous ne pas comprendre, qui peut arriver là? Mais, qui problème? Il est temps de se conseiller, aller. C'est lui qui est arrivé. Il dit, je me sens l'attaque, l'ostentation, le mot ikhlas. Mon bizarre est la même. Trouvez? Comment? Dis-moi, tu es vigilant? Nous besoin vigilant. Attention, demain, nous devons penser, nous pas le gagner. Je veux dire, grand cadeau devant Allah, quand nous sortis, nous ne trouvons rien devant Allah, nous trouvons zéro. Et tu nous calculer. Mais écoute tout ça là, mon ibadat, mon namaz, mon salat, mon tilawat, le Coran côté. Allah subhanahu wa ta'ala dit, kadab, tu tiens de mentir. Jamais tu ne fais ça pour moi. Tu ne fais ça juste pour dunya. Alors donc, ne pas souhaiter que personne vienne dans une situation pareille. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous iman, donne nous ikhlas. Walhamdulillahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.